Pousson Ligne, les contes extraordinaires du pavillon du loisir. Histoire numéro 171. Arts martiaux. D'un canton à l'ouest de la sous-préfecture de Sichuan, Li Zhao, Kuai Wu de son nom de courtoisie, était un brave d'esprit, large et généreux. Un moine était passé par hasard lui tendre son bol à aumône. Il le rassasia et le traita si aimablement que le religieux, reconnaissant, lui proposa « Je viens du monastère de Shaolin et je possède quelques connaissances des arts martiaux que l'on y enseigne. Voulez-vous que je vous la transmette ?» Li accepta volontiers, le logea dans la chambre d'amis et s'appliqua à cet apprentissage du matin au soir. Au bout de 3 mois, content de lui, il maîtrisait complètement ce qui lui avait été enseigné. « As-tu fait des progrès ?» lui demanda le moine. « Oui, je suis désormais parfaitement capable de faire tout ce que vous savez. » Le moine lui enjoint, en souriant, de lui en faire la démonstration. Li ôte sa veste, crache dans ses mains, vole comme le singe, retombe comme l'oiseau, bondit, virevolte avec grâce et se tient debout face à son maître qui sourit à nouveau. « Ça va. Puisque tu sais tout ce dont je serai capable, mesurons-nous l'un à l'autre. » Li accepte volontiers. Chacun se met en position, entrecroisant les bras. Puis ils engagent le combat, restant sur la défensive. Li cherchait sans cesse à prendre son adversaire en défaut, quand, soudain, d'un coup de pied prestement décoché, le moine envoya Li retomber à la renverse, 10 pieds plus loin. « Tu n'as pas encore appris tout ce que je sais », en conclut le moine en se frottant les mains. Les paumes appuyées au sol, Li, confus, le pria de compléter son apprentissage. Le moine s'en fut quelques jours plus tard. Li devint dès lors un champion célèbre, qui parcourait le nord et le sud sans trouver d'adversaire à sa taille. Il était de passage à Lixia lorsqu'il remarqua une jeune nonne qui faisait une démonstration sur la place du marché, devant une foule compacte de spectateurs. « S'il y a parmi vous des amateurs, ne vous gênez pas. Venez engager avec moi une tournée de lutte. Pour l'amusement seulement. » Elle répéta l'offre 3 fois. Mais on se regardait sans se décider. Li, qui observait la scène de côté, ne pouvait se défendre d'être démangé par l'envie d'en découdre. Il entra résolument dans l'arène. Elle joignit les paumes en souriant. À peine avait-il croisé les mains qu'elle s'arrêta en s'exclamant. « C'est un disciple de l'école de Shaolin. Quel est ton nom respecté, maître ?» lui demanda-t-elle aussitôt. Li hésitait à le lui dire, mais finit par le révéler, cédant à son instance. Elle joignit alors les mains. « Ton maître est le bonze Han ? Dans ce cas, inutile d'engager le combat. Je m'incline. » Li l'en pria à maintes reprises, mais elle ne voulait y consentir. La foule les encourageait à combattre. Elle finit par déclarer « Puisque c'est un disciple de maître Han et un connaisseur, il n'y a pas de mal, puisque ce n'est qu'un jeu. » Que cela soit bien entendu de part et d'autre. » Li acquiesça, convaincu que la partie serait facile avec un tel adversaire, une faible femme et si courtoise. Et puis, ainsi est la jeunesse, elle se plaît à triompher. Il voulait vaincre et se couvrir de gloire ce jour-là. Il venait d'engager une prise de haut en bas quand la nonne s'arrêta brusquement. Comme il lui en demandait la raison, elle se contenta de rire sans répondre.
il la crut intimidée. Il proposa avec insistance de reprendre le combat. Alors, elle se redresse. Un instant plus tard, il lui lance sa cheville, tandis que des 5 doigts réunis, elle lui racle la cuisse. Il sent comme un coup de hache s'abattre au-dessus du genou, trébuche et se retrouve nez contre terre sans pouvoir se relever. La nonne s'excuse en souriant. « Veuillez pardonner ma si discourtoise rudesse. » Il fallut ramener Lee sur une civière. Il ne s'en remit qu'au bout d'un mois. Un an plus tard, le moine revint le voir. Lee lui raconta ce qui s'était passé. « Tu as été d'une folle imprudence. Pourquoi l'avoir provoqué? Heureusement que tu lui avais cité mon nom. Sinon, tu aurais eu la jambe cassée !» se récria le moine alarmé.